Bonjour à tous. Donc je vous souhaite la bienvenue pour ce troisième direct du jardinier. On est toujours en direct de la maison du jardinage, donc, qui est dans le 12e arrondissement, en plein milieu du parc de Bercy. Donc on ne va pas vous rappeler, vous commencez à être habitué à la maison du jardinier. On vous dit que c'est toujours le point de rencontre de tous les gens qui s'intéressent aux thématiques de jardinage et de végétalisation urbaine à Paris. C'est un point où vous pouvez à la fois retrouver de la documentation et des conseils de personnes qui vont vous renseigner sur les jardins partagés, vos thématiques de permis de végétaliser, etc. Et on retrouve Franck. Bonjour. Pour une nouvelle émission. Voilà. Bonjour Franck. Merci Bonjour. De nous accueillir. Bienvenue. Alors là, on débute dans la vigne. On profite qu'on ait une vigne. Oui, c'est la première fois. D'habitude, on avait fait la serre. Ouais. Et puis la dernière fois, on avait aussi été dans la serre. On était sortis pour voir la façade du bâtiment. Tu nous montrais la vigne vierge. La vigne vierge, exactement, ouais. Grimpante. Et donc là, on va faire des boutures de bois à sec. Ou on peut appeler ça aussi des boutures à bois sec qu'on fait au mois de novembre. D'accord. Donc le repère, c'est la Sainte-Catherine, le 25 novembre. Et le dicton, le fameux dicton qui dit à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. Donc ça veut dire que ça va être des boutures ligneuses, avec du bois qu'on va bouturer. Et alors je prends l'exemple de la vigne parce que c'est une bouture à bois sec particulière, puisqu'on va faire on va faire une bouture à crocette. Je vais vous montrer ce que c'est qu'une crocette. Et c'est la meilleure bouture pour faire démarrer les arbres et les arbustes ligneux. Voilà. D'accord, très bien. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu la vigne en amont, ce qu'on va visiter là? Bah, c'est la vigne de Bercy qui est en train d'être changée. Alors je vais pas détailler trop dessus parce que ça va prendre trop de temps. Mais en gros, les pieds qu'on voit ici, c'est du Sauvignon. Hein. Donc c'est un raisin. Le vin qui est obtenu, c'est du vin blanc. D'accord. Qui est amélioré par et suivi par une œnologue qui travaille sur la vigne. D'accord. Donc là, je vous montre l'exemple de la vigne parce que c'est une bouture qui est facile à faire, qui prend bien. Mais on peut faire des boutures à crocette sur le figuier, par exemple. D'accord. Hein, les figuiers qu'on peut avoir même en pot, en bac, sur les balcons. Mais il faut avoir suffisamment de bois pour aller, parce que là, on va voir qu'on va sur le bois de 2 ans. Donc ce que je vous propose, c'est de vous emmener directement vers les boutures. Alors moi, je me posais une question en préparant cette émission, Franck. On a parlé de plantes ligneuses. Tu me disais que la bouture de bois sec fonctionnait sur les plantes dites ligneuses. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce que c'est qu'une plante ligneuse pour les gens qui ne connaissent pas? Alors ça va être très simple, c'est une plante, une tige qui fait du bois. Tout simplement. Voilà. Donc tu disais qu'on pouvait le faire avec un ficus, c'est ce qu'on a envoyé d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Le ficus carica, le figuier. D'accord. Mais on peut le faire pour les arbres comme le platane, certains érables comme l'érable à feuilles de frêne, à serre negundo, et puis bon, il y a plein d'autres, le châtaignier, etc., etc. Donc c'est le moment hein, de le faire, et donc c'est des boutures assez grandes, hein. Mais on peut faire ça aussi pour, alors je dis grandes parce que là on parle d'arbres, donc on prélève du bois 25-30 cm. Hein. D'accord. C'est pas les boutures semi-ahoutées ou herbacées qu'on fait beaucoup plus tôt et qui sont aux alentours des 10 cm de haut. D'accord. Donc là c'est des boutures assez hautes. On peut aussi faire pour les arbustes, hein, comme le troène, le forsythia, les cornouillers, etc. Voilà. Et puis pour les plantes grimpantes, alors on est à côté de la maison du jardinage qui est juste derrière nous. Oui. Là, et on voit la vigne vierge sur le mur, donc on peut aussi bouturer la vigne vierge en ce moment. Très bien. Voilà. Alors je vais axer sur la bouture en crocette. C'est une technique particulière parce qu'on va garder une partie du bois de 2 ans. Voilà. Très bien. Mais écoute, on regarde d'ailleurs. Tu as choisi un pied déjà? Alors j'ai sélectionné un pied victime. Ah, le sécateur. Donc, voilà. Ah, d'ailleurs, j'ai une question. Sécateur. Un sécateur, est-ce qu'il y a des qualités différentes de sécateur? Enfin, un sécateur, tu peux l'acheter dans n'importe quelle quincaillerie normalement, non? Oui, alors c'est plutôt dans les jardineries. D'accord. Peut-être les quincailleries bien équipées. Voilà, c'est ça. Parce qu'il faut qu'il soit pas trop lourd mais très solide. D'accord. Et puis un système de lame et de porte-lame qui fonctionne bien. Donc le porte-lame, c'est ça. C'est-à-dire qu'un sécateur,
ça fonctionne en appui. C'est-à-dire qu'on appuie, bon je ne vais pas mettre mon doigt, je vais pas couper mon doigt. Bien sûr. On appuie la branche ici et on va couper en faisant descendre la lame sur le bois. D'accord. Donc c'est ce mouvement-là qui n'est pas un mouvement de cisaille. Hein. C'est que donc on peut couper des rameaux assez gros avec un sécateur. Voilà. Et bon, éventuellement avoir une lame qu'on peut changer, hein, là on peut dévisser, changer la lame et la remplacer. D'accord. On te regarde faire. Donc là tu vas prélever voilà. un morceau de bois. L'idée c'est que ces boutures-là, ça se fait sur le bois de 2 ans. Ça peut être le bois d'un an suivant comment il a poussé. Mais du coup on va aller vers un bois perpendiculaire. C'est-à-dire par exemple si ici on prend. Donc vous voyez les tiges elles montent assez haut. Hein. Il y a celle-là, il y a celle qui arrive derrière ici. Donc pour celle-là, alors on arrive, je ne sais pas si vous voyez ici, en fait quand on remonte, alors ce qui n'est pas évident en ce moment, juste là il y a les filets, c'est normalement on part d'en haut et c'est de repérer le bois qui a poussé cette année. D'accord. Le bois de l'année. Donc en partant d'ici, alors là il y a le grillage qui n'est pas évident, mais vous voyez, c'est pas toujours facilement repérable. Par contre ce qu'on sait, c'est que si on arrive sur un bois perpendiculaire, on arrive... encore une année en arrière, donc là on arrive ce bois là. D'accord. Celui-là c'est le bois de 2 ans. Donc normalement on peut le couper sur une tige, vous voyez par exemple ici aussi. Hein. Fin de tige ici. On va. Voilà. Donc d'accord. On voit bien, là ça serait le, vous voyez la différence de couleur là. Oui. Là ça pourrait être le bois de l'année. Et celui-là, il est assez fin. Et si ça se trouve, ça c'est une tige de l'année aussi, hein, qui part directement d'ici. C'est pour ça alors... que je vais pour un bois vers un bois plus ancien comme d'accord. celui-là. Et du coup, alors la crossette, c'est ça, c'est cette partie-là. En forme de T, en T voilà. D'accord. Donc en fait, je coupe à peu près 1 cm de chaque côté. Donc là, il est prédécoupé. Et voilà. Et au niveau de la longueur de la tige du haut. Alors, c'est des boutures de 30 cm. Donc là, j'enlève les vrilles hop, pour pouvoir descendre le bois. Alors là, il y a des protections. Hein, des protections par rapport aux oiseaux. Ici, il y a des merles hein, qui adorent les crabes de raisin. Donc, c'est des filets qui descendent quand la plante est en fructification. Donc, on voit sur une tige comme ça qu'on a des segments et entre chaque segment, il y a des nœuds. C'est ça les nœuds en fait. D'accord. Cette partie-là, on voit un segment de bois, un nœud, un autre segment, un nœud. Ça, donc ces parties-là en fait, ça s'appelle les nœuds et c'est de là que vont partir les nouveaux bourgeons. On d'accord. voit donc qui vont donner des nouvelles feuilles ou des nouvelles tiges, voire qui peuvent porter des fruits. Donc ça, c'est suivant comment on les taille. Et tu disais, le coupes à 30 cm. Alors voilà, c'est des boutures de 30 cm, en sachant qu'il faut toujours couper par la partie haute, au-dessus d'un œil. Donc ça sera ou ici ou ici. D'accord. Donc on a un repère en fait au niveau de la taille, c'est que pour éviter d'emmener des appareils de mesure sur le terrain, on va utiliser ce qu'on a, et nos mains par exemple. Et on sait que la distance, quand on écarte fortement la main comme ça, entre le bout du petit doigt et le bout du pouce, c'est environ 20 cm. Alors moi, ça tombe bien, j'ai vérifié, hein. J'ai une règle, ça fait, moi de là à là, ça fait exactement 20 cm. Tout le monde n'a pas la même effectivement. Taille de main. Mais voilà, ça varie entre 18 et 20 et 22, quoi. Très bien. Pas beaucoup plus. Donc on sait à peu près qu'on a une vingtaine de centimètres de là à là. Alors en partant du talon, ici on a 20 cm et on rajoute 10 cm. Alors la taille de 10 cm, on enlève le petit doigt, on enlève le pouce et c'est ça. Donc on arrive à ce bourgeon-là. Voilà. D'accord. 30 cm c'est ça. Et tu seras 1 cm au-dessus de... Alors les centimètres à côté, c'est pas... Alors là celui-là est un peu court hein, parce qu'il n'y avait pas la place, on en fera une autre. Mais c'est de chaque côté en fait. Ce qui d'accord. reste là. La crossette, c'est normalement il y a 1 cm de chaque côté. D'accord. Par contre, la hauteur, c'est 30 cm, donc au-dessus d'un bourgeon, juste au-dessus. Je vais tomber de côté. Voilà une première bouture. Alors normalement, on va choisir des bois qui sont plutôt bien droits. Après, il faut trouver le bon endroit. Pour faire ça. Voilà la bouture, je ne sais pas si vous la voyez. On va essayer une autre. Donc pour être sûr, tu refais un deuxième prélèvement. Voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir un truc, surtout une tige qui est la plus droite possible, d'accord. qui est bien vigoureuse, qui est bien verticale. Donc là, on a, voilà, normalement, le bois de 2 ans, c'est celui-là. Ouais. Ici. Donc pour le voir, normalement, on part toujours du haut, là, d'ici. Vous voyez qu'il monte en fait, jusqu'ici même.
Donc là, vu la taille, on a une grand, première année, une deuxième année. Donc pareil, je commence. Alors là, je vais couper ce qui me gêne, hein, bien au-delà de la taille. Parce que de toute façon, voilà, c'est cette partie-là que je vais prélever. Donc 1 cm ici, de ce côté-là. Voilà. Toujours des coupes bien nettes. Et le maximum ici. On a une crosse en fait. Voilà. Cette partie-là. Parfait. Et ça, ça va favoriser le départ des nouvelles racines, cette partie-là. Très bien. Et c'est la partie ici qui sera aérienne et qui donnera la nouvelle tige. On va les poser tige. Comme ça. Donc pareil, hein, j'ai pas de mètre, mais je sais que là j'ai 20 cm ici. Voilà. Et vous voyez, de là à là, j'ai dit 10 cm donc à peu près. Juste... Donc 30 cm. Je préfère tailler un peu plus haut, mais arriver au-dessus d'un bourgeon. D'accord. Il faut qu'il y ait un bourgeon en tête. Hein. Comme ça. Voilà. Alors celle-là, elle est peut-être. Voilà, la crossette, c'est ça donc. C'est aussi simple que ça. En fait. Alors, j'avais une question. Tu parles, donc tu nous parles depuis tout à l'heure de tailler le bois en crossette pour faire la bouture de bois sec. Ouais. Est-ce que dans d'autres types de boutures ou même en bouture de bois sec, il existe d'autres types de prélèvements en forme? Ouais. Et on peut prélever. La crossette, c'est un petit plus pour le développement des racines et pour le futur. Mais tous les bois ne se prélèvent pas comme ça. On n'est pas obligé d'aller sur le bois de 2 ans. Ça peut être le bois de l'année d'avant, mais pas d'il y a 2 ans. Donc d'accord. Par exemple, même pour la vigne, il y a des vignerons qui préconisent de faire un bouturage plus tard. Par exemple, à partir du mois de février. Et de les mettre, parce que là, on va passer par une phase de stratification. Donc on va mettre ça dans du sable et on les repiquera, ça je vous le dirai tout à l'heure en vous le montrant, au mois de mars. Mais si on fait un prélèvement au mois de février sans crossette, on fera les boutures directement dans la pépinière, c'est-à-dire dans l'endroit où on va les faire grandir. D'accord. Voilà. Bah écoute, de toute façon tu vas nous le montrer, même si on la met pas en pépinière aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu as prévu. Et ben là, du coup, ça c'est les boutures en crossette qu'on fait au mois de novembre. C'est des boutures qui vont passer dans un pot avec du sable. Donc ça, je vais vous le montrer aussi. Très bien. Écoute. Donc j'ai utilisé les deux que j'ai là. Donc vous voyez, celle-là, en fait... Oui. Celle-là, elle est quand même... c'est celle-là l'idéal, en fait. Oui. On voit d'ailleurs, oui, au niveau du centimètre de chaque côté de la tige en bas, elle est, elle correspond plus à ce que tu préconisais. Donc, je te laisse passer. Ok. Bon, en tout cas, on m'indique que le son est correct et que les gens t'entendent à peu près. Donc, d'accord, j'essaye de projeter hein, à travers le masque. Voilà, en l'occurrence, pour les prochaines vidéos, on va faire l'acquisition de micros. Donc, si tout va bien, au 4e, au pire, au 5e épisode, on t'entendra parfaitement. D'accord. Et ça, c'est bien. Je pourrais commencer à chanter. Alors, voilà, on prend un pot. Alors, l'idéal, c'est que le pot, il doit être assez profond. Hein. D'accord. Entre 20 et 25 cm, hein, là, donc on voit, on est un petit peu plus de. Voilà, on est à 20-25. D'accord. On pose les. Excuse-moi, Franck, c'est du sable qu'on voit au fond. Voilà, c'est du sable. D'accord. Du sable que j'ai préparé. Alors, toujours pareil, hein, le sable qu'on utilise, le sable horticole, le sable qu'on utilise soit pour les mélanges, soit pour tout ce qu'on peut faire avec en horticulture, c'est du sable de Loire. Donc, c'est un sable qui est neutre au niveau du pH. Mais c'est un sable de rivière, c'est pas un sable de mer. Voilà. Très bien. Donc, j'ai déjà fait mon petit lit de sable au fond. Alors, ça peut se faire directement dans un sol qu'on aurait préparé à l'endroit du potager, dans un endroit protégé, hein, c'est ce qu'on appelle la pépinière dans un potager, et au nord. Alors, pourquoi au nord? Pourquoi on mettrait ça au nord? Pour éviter les démarrages intempestifs, puisque... En hiver, on peut avoir des journées très ensoleillées, voire des semaines où si la plante est exposée en plein soleil, ça peut monter en température et déclencher des départs de bourgeons. Donc le fait de le mettre au nord, ça évite ça. Voilà. On a quelqu'un qui nous parle de sable roulé, c'est la même chose. Le sable roulé. Ah non, je ne sais pas. J'ai un des participants qui parle de sable roulé. D'accord. Bon. Donc qui est roulé par l'eau en fait, qui est poli.
Peut-être, mais dans ce cas-là, dans un fleuve, comme tu le disais, pour un pH neutre. De rivière et ou de d'étendue d'eau douce. Mais bon, après, il faut savoir d'où il vient le sable. C'est-à-dire, si on a un sable de Seine d'un bassin calcaire, on va avoir un pH qui sera trop élevé. Très bien. Donc voilà, j'ai mis un fond de sable. En fait, on va faire pousser ces boutures dans du sable. Donc, si on le fait en pot, on peut soit les poser directement comme ça, et ouais, faire le tour, hein, avec toutes les boutures qu'on a. Et ensuite... Là, on en a deux, mais dans un pot comme ça, tu pourras en mettre raisonnablement combien ? Oh bah, on peut remplir le... Voilà, on fait le tour comme ça, hein, on peut en mettre une comme non, ça. Donc on imagine tout le tour, quoi. D'accord. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Il y a Aftermath, le participant, qui nous dit qu'effectivement, c'est du sable de rivière, et qui est un sable roulé par l'eau, en effet. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc ça convient, mais ce qu'il faut, c'est la source du sable, en fait, de quelle roche il provient. C'est pour ça qu'on parle de sable de Loire, parce qu'on est sûr que c'est un sable qui est neutre au niveau du pH. D'accord. Donc ensuite, on enterre la bouture dans toute sa partie principale. Hein. On voit que les trois quarts de la bouture vont être enterrés, hein, jusque-là. Il restera les trois quarts. On va dire plutôt les deux tiers. Deux tiers, ouais. Un tiers qui dépasse. Voilà. D'accord. Et après, il suffit de remplir de sable. Donc, alors moi qui sur les réseaux sociaux ai mis du substrat qui ressemblait un petit peu plus à du terreau, fibre de coco et sable, du coup là c'est que du sable finalement. Là c'est que du sable. Je me suis trompé, je m'en excuse auprès des gens qui regardent parce que j'ai préparé des ingrédients. D'accord. Et du coup je me suis trompé, j'ai mis un des mélanges que j'avais vu la dernière fois. Alors c'est pas grave, on peut. Là, je passe vraiment par une phase particulière, qui est une phase de stratification. D'accord. C'est-à-dire que je vais utiliser une matière abrasive en fait, qui va avec les arrosages aider à attaquer un petit peu le bois pour faire démarrer la racine au fond. Voilà. Et c'est alors ça va être mis dehors. De toute façon, on va potager après et dans un châssis. Donc voilà, je mets le sable. Donc l'idée, j'ai pas tout remplir de sable, hein, mais l'idée voilà, c'est qu'on remplit comme ça. D'accord. Voilà ce qui dépasse. Voilà. Et tu tasses beaucoup ? Je ne tasse pas forcément. Le sable, il va se tasser par son propre poids. D'accord. Je remplis, ça se tasse au fur et à mesure, voilà, comme ça. Très bien. Voilà la taille et voilà le profil, en fait. On voit bien la profondeur, en fait, hein, de ce qu'il faut remplir. Hein. D'accord. Donc là, on a un pot qui fait 23 cm, quoi. Et on laisse dépasser ça. Très bien. Voilà. Et ça, donc maintenant, on va voir... La moitié. Où on va le mettre. J'emmène mon petit matériel. Donc je bloque les deux boutures. Je te suis. Je vais juste fermer la porte. Oui. Donc pour revenir juste à la venue ici, c'est que les pieds vont être... Les anciens pieds vont être arrachés parce qu'ils sont encore trop sensibles, notamment au mildiou et à l'oïdium, donc deux maladies cryptogamiques, d'accord, deux champignons, hein, qui colorient les feuilles. L'intégralité de la vigne va être enlevée pour être remplacée ? Là, il y a une première partie qui est faite de l'autre côté, on voit pas d'ici, hein, mais il va être, il y aura des pieds résistants en fait. D'accord. Des hybrides résistants. Qui va permettre de normalement de moins traiter. Alors on ne traite pas avec des produits phytosanitaires, des produits chimiques non naturels. Les traitements qui sont faits dans la vigne, c'est des traitements à base de cuivre et de soufre. Et normalement on choisit notamment au niveau des soufres naturels, des soufres de mine, qui sont moins agressifs que les soufres obtenus par chimie en fait, hein, en transformation. Très bien. Et donc du coup, le fait d'utiliser des nouveaux pieds qui sont plus résistants, ben, on passe à une vigne qui est traitée normalement en fongicide, c'est 14 traitements par an au maximum. Donc là, ils ont réussi à baisser jusqu'à 6 traitements par an. Ils veulent ne plus en faire que 3 avec les nouveaux. D'accord. Voilà. Donc l'idée, c'est de d'employer le moins de produits possible, en sachant que là, je parle bien de deux produits qui sont autorisés en bio. Hein, puisque même en biodynamie, on utilise le cuivre et le soufre, mais en quantité très faible.
Voilà. Donc là, l'idée, c'est de passer de 6 à 3 traitements avec ces pieds résistants. Très bien. Tu nous emmènes où, là ? Alors là, on va du coup le potager, on va la prendre ce qu'on appelle la partie pépinière du potager. Alors où on avait été lors du premier live de ton atelier. Où on avait fait des boutures. De la bouture, alors comment s'appelle cette plante ? De racine de la crampe maritime. La crampe maritime. Et donc on va voir ces boutures. Enfin, on ne verra pas les boutures parce que c'est des boutures qui sont enterrées, mais. Ah, j'ai Marie-Fabienne qui me demande cuivre et soufre pour le traitement de la vigne. Ouais. Les deux en même temps, c'est-à-dire c'est alors pas l'un en ou l'autre. Même temps, en même temps, c'est pas forcément en même temps, mais c'est deux ingrédients, on va dire, qui vont lutter contre les maladies cryptogamiques. C'est des champignons qui se développent sur les feuilles. D'accord. Donc soit l'un, soit l'autre, soit les deux, mais pas en même temps. Jamais en même temps. Donc, on va aller. Ah tiens, il y a. Alors ça c'est intéressant parce qu'il y a Aftermath encore, celui qui nous a parlé du sable roulé tout à l'heure, qui rajoute un commentaire et qui explique que le sable roulé a l'intérêt d'être poli et que du coup le grain de sable ne présentera pas d'arêtes tranchantes qui risquerait d'abîmer les petites racines. Alors après pour la stratification, c'est pas bien grave, hein, parce que là c'est des boutures de bois, hein, donc ça sera pas déterminant. Donc voilà, là c'est la partie pépinière. Donc ce qu'on appelle, je ne sais pas si on m'entend, ce qu'on appelle une pépinière dans un potager, c'est un endroit qui est protégé des vents dominants, donc qui va permettre, si jamais il gèle, que ça se fasse plus progressivement, enfin que ça ne soit pas une partie qui soit asséchée ou glacé par les vents dominants, donc sur un mur, mais qui est placé au nord. Alors là, comme on n'a pas de maison et qu'on n'a pas de mur, on va utiliser des châssis qui sont normalement utilisés pour faire pousser des légumes qu'on protège en hiver. Donc là, j'ai fait une petite partie où j'ai déjà des boutures. Hein. Alors on voit le résultat hein, d'une bouture qui a été faite l'année dernière et qui a été faite donc une bouture de vigne. Voilà. Mais qui avait été enterré bien jusque-là l'année d'avant, donc il y a 2 ans. D'accord. Donc en novembre 2019, et qui a été repiqué ici, en pleine terre, dans une terre légère. Hein. Oui. Vous voyez, c'est une terre, on voit pas comme ça, mais voilà, c'est une terre légère. Hein. C'est pas une terre lourde qui se compacte, hein. elle est très aérée. Hein. Et donc ça a été replanté, repiqué au mois de mars. D'accord. Donc au mois de mars 2020. Et on a un départ de feuilles. Voilà. Ouais, on voit. Donc c'était des boutures comme ça. Et alors ici on en a deux qui ressemblent, je crois que c'est celle que tu nous avais montrée. Alors ça c'est des témoins, en octobre. C'est pour, voilà, ça c'est pour montrer comment le voilà, c'était des boutures en crocette aussi. Ouais. Alors est-ce qu'on voit des racines ? Est-ce que ça voilà, c'est une racine, voilà, ça c'est une racine. D'accord. Mais bon, ça c'est des boutures qui avaient séché en fait. Celle-là, elle avait séché. Donc moi je la garde pour montrer la crocette en fait. Voilà comment c'est coupé hein, quand je les montre. Donc je les garde. Et celle-là, elle a un départ ici. D'accord, oui, on voit la petite feuille. Je ne sais pas si les gens qui regardent la vidéo peuvent. Hop, ici. Donc. Et ça fait combien de temps qu'elle est ici, celle-ci ? Bah pareil, sauf que la problématique, et c'est là on va aborder ça, c'est-à-dire que là, comme on fait des boutures dans le sable, il faut faire très attention à l'apport d'eau. Parce que le sable draine l'eau, ne la garde pas. Bien sûr. Donc c'est aussi pour ça que c'est mis dans le sable, pour pas qu'il y ait d'excès d'eau, pour pas que le bois pourrisse. Le problème, le désavantage de ça, c'est qu'il ne faut pas que ça sèche. Donc il faut les surveiller, hein, ces boutures-là. Donc pendant tout l'hiver. Il faut qu'elles passent au froid, pas les mettre au chaud. Donc là, du coup, alors je vais les passer. Donc là, voilà, c'est les boutures de racines de crambe. D'accord. Je vais laisser démarrer, là, pareil, jusqu'au printemps. Hop, je déplace. Et je vais mettre
Donc là, c'est un exemple que je vous donne. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis du sable partout. Parce que pour un pot de cette surface-là et de ce volume-là, je peux évidemment mettre plusieurs boutures. Bien sûr. Alors après, on peut, si on le fait de façon plus importante, en plus grande quantité, pour faire plusieurs pieds, si on fait une ligne, en fait, après de vignes, on peut utiliser une partie comme ça, avec 25 cm de hauteur d'un substrat très léger, voire sableux complètement comme ça. Et puis de faire des entailles en V dans le sol comme ça, et de mettre à alors bon, il faut que ça soit assez profond, puisque là on les met à 20 cm de profondeur, vous avez vu tout à l'heure, et on les fait en ligne comme ça. T'as pas de fond en dur là-dedans, c'est de la terre au fond, enfin si je creuse un mètre. C'est de la terre. D'accord. Ouais. Ok. Voilà. Et là c'est de la terre qui a été. C'est un substrat en fait avec de la terre de jardin, mais qui est sablonneuse. C'est mélangé avec du sable. On voit bien qu'elle est très légère, quoi. Alors, c'est de la terre à bouture. Moi, tout ça me pose une question. La plupart de nos usagers, bon, ils sont chez eux en appartement, bien souvent. Alors, tu disais tout à l'heure qu'il y a d'autres plantes ligneuses et qu'on pouvait faire ce type de bouture de bois sec sur, par exemple, le figuier. Voilà. Donc le figuier qu'on a en pot. Alors pourquoi je ne l'ai pas fait aujourd'hui sur le figuier? Parce que c'est un petit figuier qu'on a sur la terrasse et qui forme en fait deux branches. Donc vous avez vu que quand on fait une bouture de bois à crocette, on sacrifie une branche de 2 ans, enfin le bout de la branche. Donc là, j'en ai pas trouvé où je pouvais, je pouvais le faire repartir comme ça. Tu aurais massacré ton arbre. Ouais, une partie, ouais. Parce que j'ai fait, là c'est ce qu'on voit ici, la bouture de figuier, je l'ai fait il y a 2 ans aussi, enfin l'année dernière, pardon. D'accord. Donc, il va repartir, hein, on voit les plantes. Donc on voit, alors là les feuilles normalement, elles tombent, le figuier il est caduque, elles tombent en hiver. Par contre, là, les feuilles sont arrivées au printemps dernier. D'accord. Donc pareil, elle était dans le sable et je l'ai repiquée au mois de mars dans ce substrat. Et vous voyez, on voit au bout un bourgeon. Oui, oui. Je ne sais pas si on le voit bien. On le voit. Enfin, voilà. Attends, je vais me rapprocher. Hop, là on voit un bourgeon, j'espère que la mise au point sera bien. Hop. Voilà. Et donc après, la phase d'après, c'est de prendre cette plante-là et de la mettre en pot ou la planter directement en pleine terre. D'accord. Donc l'année d'après. Et alors donc du coup, je résume. Là, je fais mes boutures en crocette. Ouais. On les met dans du sable. En ce moment. Donc là, on est en novembre 2020. Je vais les sortir du sable en mars, à partir de mars 2021, là, après l'hiver. Donc on les sort après l'hiver quand le sol s'est suffisamment réchauffé. C'est ce que tu appelles la période de stratification, c'est ce dont tu parlais tout à l'heure. Non, stratification, c'est la mettre dans le sable. En fait. D'accord. Ça s'appelle la stratification. D'accord. Là, je dis, je passe par la stratification. On pourrait les faire directement en pleine terre pour celles qui ne sont pas à crocette, mais plus tard, au mois de février. D'accord. Ah, c'est un petit peu compliqué peut-être, mais celles en crocette, en fait, c'est ce qui va donner les meilleurs pieds. C'est pour ça qu'on le fait. Voilà. Mais il y a cette petite contrainte de passer par le sable. Et donc de surveiller tout l'hiver l'arrosage. Il y a un piou-piou là. Vous avez des animaux ici? Oui. T'as entendu, il y a un piou-piou. Il y en a plusieurs. J'ai entendu. Bon. Il y a des troglodytes. Non, mais vous n'avez pas de poulailler ici à la maison du jardinage? Des poulaillers. Enfin, ouais, non. Non, parce qu'on a fait la ferme de Paris il n'y a pas très longtemps. Et, non. D'accord, non, d'accord. Non, pas encore. Enfin, bon. On n'aura pas. Il y a déjà suffisamment. Oui, beaucoup de travail. J'en étais où? Oui, donc on passe par la phase de stratification. Donc je rappelle, cette bouture-là, on la fait maintenant dans le sable. On la laisse dehors, dans un endroit protégé du vent, c'est autour d'un mur. Mais normalement, c'est au nord, pour pas qu'il y ait des débourrages de trop tôt. Donc le débourrage, c'est le départ des bourgeons. D'accord. C'est les bourgeons qui démarrent. Il ne faut pas qu'ils démarrent trop tôt. Voilà. Donc ça, on le fait maintenant, au mois de novembre 2020. Au mois de mars 2021, vers le 15 mars, suivant le temps, on fait toujours attention au climat, au temps qu'il fait. Donc on les mettra, par exemple, ici, dans ce substrat-là. Je les replanterai comme j'ai fait là. D'accord. Et quand je les enlèverai, je verrai s'il y a un petit démarrage de racines au niveau de la crocette. Et je les laisse jusque à l'automne de l'année 2021. Donc octobre-novembre, et c'est là
on revient à la Sainte-Catherine, hein, vers la fin novembre, où tout bois prend racine. Alors non seulement le bois pour les boutures, mais aussi pour la plantation. Donc le mois de novembre, c'est, je le rappelle, je l'avais peut-être dit la dernière fois, c'est le mois des plantations des arbres et des arbustes. D'accord. Et alors, dans le cadre d'un appartement, avec du figuier ou avec une vigne, pourquoi pas, j'en sais rien, on peut, rien ne nous empêche de passer du sable à un pot, ouais, un pot plus large avec le même type exactement. De terre. D'accord. Exactement. Et après, ben, il reste dans le pot et puis il se développe comme ça. Évidemment, quand on a des plantes en pot, des arbres, des arbustes, il peut être intéressant de les rempoter pour que renouveler le substrat et pour que la plante elle puisse développer ses racines d'une façon plus importante. D'accord. Donc un rempotage sur un balcon, sur une terrasse pour des arbustes, c'est tous les deux ans à peu près. Après, si, ça dépend comment ils poussent, ça dépend ce qu'on les bonsaïfie un petit peu. Alors le terme est très mal choisi, oui. Hein, parce que c'est un bonsaï, c'est quelque chose de très particulier, mais je le dis ça dans le sens où les plantes qui sont en pot, elles se développeront évidemment moins qu'une plante qui sera en pleine terre, pour les arbres et pour les arbustes. Très bien. Ok. Est-ce que tu... Enfin, du coup, c'est fini pour la bouture ? Bah ouais. Ton atelier est terminé, d'accord, voilà. Donc, voilà. C'est-à-dire que... En fait, c'est une bouture, c'est très simple. On prend un prélèvement d'un végétal qui peut être soit une tige, hein, là c'est des tiges, ouais. Soit une feuille, par exemple pour les bégonia rex, qu'on va plaquer sur le sol et qui va émettre des racines au niveau de ses nervures, soit d'une racine, ce qu'on a fait pour la crande maritime qui est enterrée, oui, là. Qui est juste à côté. Et pour les framboisiers, par exemple, en ce moment, on peut faire des boutures de racines du framboisier. C'est le moment de les faire. Donc il faut prendre un segment de racine où il y a des bourgeons qui démarrent. C'est ça. On refera l'atelier ça, sur la crande maritime. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire d'autre ? Voilà, c'est les trois choses qu'on peut prélever. Après, il y a les boutures de bourgeons, mais ça, qui sont faits en laboratoire, en milieu... comment dire, aseptisé. Et puis les boutures de bulbes, les écailles de bulbes, ça s'appelle des boutures aussi. Des écailles de bulbes, ouais. C'est-à-dire les gros bulbes en fait qui émettent des petits bulbes à la base. Voilà. Très bien. Bah écoutez, je sais pas si. Alors a priori on n'a pas beaucoup de questions là-dessus. J'avais des questions, mais là comme on dépasse la demi-heure, ouais. Je te les poserai, on répondra directement dans les commentaires. On avait deux questions de la semaine dernière. D'accord. Bon, on risque de dépasser. Je vois que ma batterie est fatiguée. Je te remercie de nous avoir accueillis. A priori, si c'est clair pour moi, qui ne suis pas un spécialiste du jardinage, ce sera clair pour les autres. Ah, bouture de rosier. Alors attends, voilà, j'ai une question. J'ai MBVC, donc une utilisatrice, ouais. qui demande si pour la bouture de rosier, on peut utiliser cette technique. Oui, alors là, du coup, ça sera sans crocette. Mais ça concernera surtout les roses anciennes, et les rosiers anciens et les rosiers botaniques. Alors si on ne fait pas de crocette, ça veut dire qu'on ne prend pas... On ne prend pas le bois de besan perpendiculaire. Exactement, mais alors qu'est-ce qu'on bouture ? Bah, on part du bout du rameau et on prend un rameau de 25-30 cm. Et quand on coupe en fait le bas du rameau, on laisse un tout... Alors là, je n'ai pas d'exemple... Hein. Mais on le coupe pas au ras du bourgeon, on coupe un petit peu plus loin. D'accord. Bon, tout le monde te remercie, tout le monde a l'air très très content des conseils que tu nous as prodigués. Il y a une grande nouvelle, j'ai lu sur paris.fr tout à l'heure que normalement le 7 à 13h30, la maison du jardinage réouvrira peut-être ses portes. Ah, alors oui, peut-être. Ah, zut. Alors j'ai perdu mon moteur, c'est ce que je redoutais. D'accord. Désolé à tous. Écoute, moi j'ai lu ça sur la fiche équipement de paris.fr sur la maison du jardinage ce matin. Donc de toute façon j'invite tous les utilisateurs, tous les gens qui sont un peu curieux et qui s'intéressent au jardinage à faire un tour sur paris.fr, sur évidemment la maison du jardinage pour se renseigner sur le lieu s'ils ne le connaissent pas, pour te rencontrer éventuellement parce que forcément ils ne manqueront pas de te voir s'ils viennent ici. Et aussi à faire un tour sur que faire à Paris pour toutes les conférences que vous mettez
pas mal de web conférences en place, ouais, pour remplacer tout ce qui est annulé. Qui était prévu. Exactement. Donc ça, j'ai vu que les collègues, il y en avait un ce matin d'ailleurs, je crois. Là, à 14h. Ouais, c'est ça. Donc, ce matin, c'était autre chose. Oui. Ouais. Et donc, n'hésitez pas à aller voir les web conférences, c'est très intéressant aussi. Et puis nous, on se retrouve tous les vendredis avec Franck à 13h pour le direct du jardinier. Et sinon, il y a aussi deux lives, donc je vous invite à regarder sur la page Facebook, puisque là, du coup, ça se passe sur Facebook et pas sur, sur Insta. C'est un direct qui se passe à la ferme de Paris un mercredi sur deux. Et ça, en ce moment, ça tourne autour du soin aux animaux. C'est très intéressant. La première vidéo, il y a deux semaines, a très bien marché. Et l'autre mercredi sur deux, on est en direct du parc floral, où en ce moment, on essaye d'observer les oiseaux du parc floral. En tout cas, ceux qu'on peut observer à l'heure où se passe le live, c'est un petit peu compliqué. Mais ça donne des choses très intéressantes grâce aux experts, aux animateurs qui, comme toi, partagent leur savoir, quoi. Super. Donc merci beaucoup Franck. Merci à vous tous. Je te dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.